Bien, salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, ce cours est aussi disponible avec une explication en arabe. Généralement, je publie la version en arabe avant la version en français parce que j'enregistre la version en arabe en premier. Bon, maintenant, nous passons à une nouvelle leçon avec vous, Yashi, la versification. Bien, donc les règles de la poésie. Bon, alors, je dois vous souligner que je vais faire cette leçon en deux parties. La première partie, c'est une partie commune à tous les niveaux, d'accord? Débutant, moyen, avancé. Donc, cette première partie sera expliquée en arabe et en français. Mais il y aura une autre partie que je vais classer parmi la playlist du niveau avancé. Donc, elle sera disponible uniquement en français. Il y aura des indications un peu plus réservées à une élite, à des personnes qui étudient en profondeur la poésie. Bon, maintenant, on va voir les éléments essentiels de la versification. On va commencer par le vers classique. Alors, un poème se compose d'un ensemble de vers. Le vers classique se différencie de la ligne par le fait que. D'accord? Alors, ces choses-là, elles nous permettent de différencier un vers. Bon, d'abord, il a une longueur définie, ce qu'on appelle un mètre. On le mesure par le nombre de syllabes. D'accord? Donc, on va voir ça sous peu. Donc, il a une musicalité spéciale. Il y a des rimes, des assonances, des allitérations. D'accord? Donc, et il y a des choses bien spécifiques à cette musicalité spéciale. D'accord? On va ajouter une partie qui s'appelle le rythme. C'est surtout cette partie que je vais réserver aux personnes de niveau avancé. On va voir les rimes internes, mais on va voir les rimes internes un peu en profondeur parce que généralement, il y a de petites indications sur les rimes internes, mais il y a tout un tas de sortes de rimes internes. Bien sûr, elles ne sont pas à connaître pour tout le monde, mais bien sûr à des personnes qui se spécialisent dans la littérature française. Donc, il serait bénéfique de connaître tous ces types de rimes internes. Bon, maintenant on va voir la césure. On va voir ce que c'est qu'un hémistiche, une coupe. Oui, et on va aborder d'autres choses, par exemple l'enjambement, le rejet, l'anti-rejet, l'hiatus, le hiatus. On va voir aussi les types de strophes qu'on a, d'accord? Donc il y aura plusieurs choses variées dans cette deuxième partie. Bien, le mètre. La longueur du mètre d'un vers se détermine par le nombre de syllabes qu'il comporte. Les vers les plus courants sont, d'accord, on a bien sûr l'hexasyllabe qui est composé de six syllabes, l'octosyllabe, le décasyllabe et l'alexandrin. Comme vous pouvez le remarquer, les vers les plus courants sont des vers au nombre pair. Le nombre pair, bien sûr, pour les mathématiques, c'est 0, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite. Certains écrivains adoptent le vers impair pour certains de leurs poèmes. Bon, il y a une petite chose à noter. On est en train d'étudier le vers classique. Bien, bien. Les règles de la versification classique. Mais on remarque une chose, à peu près à partir du romantisme, avec Victor Hugo, bien. Donc, à partir du romantisme, on a commencé à se libérer un petit peu des règles classiques. D'accord? Dans la deuxième partie, on va avoir plusieurs, si vous voulez, allusions à ça, ou bien plusieurs idées à propos de ça. D'accord? Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est surtout le vers classique. Le vers tel que
qu'altéré par le romantisme, le symbolisme et le reste. En gros, il respecte les règles de la versification, d'accord, tout en apportant des modifications. Mais bien sûr, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle la poésie libre, c'est un vers libre des contraintes de la versification classique, d'accord. Alors nous ne parlons pas de ce vers libre ici. La syllabation. Alors, une syllabe, c'est un ensemble de lettres qui sont prononcées d'un seul trait. Je vais vous donner l'exemple avec prononcer. Regardez, si je dis pro-non-c'est, c'est une lettre pro-non-c'est. Donc, vous voyez ici, se prononcer, il reste compréhensible. Pourquoi? Parce qu'on a bien subdivisé en syllabes. Imaginez que je vous dise une lettre P-R-O-N-C. 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 Est-ce que vous situez par rapport à ce que je dis? Donc, vous n'arrivez pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, pourquoi? Parce qu'on a coupé les syllabes, d'accord? Et bien sûr, on ne peut pas scinder les syllabes, on ne peut pas les couper en deux, d'accord? Donc, pro, c'est une syllabe. Donc, on ne peut pas s'arrêter à une de ces lettres, P ou bien R. Je ne peux pas dire pr, on, je ne peux pas dire pr, on. Donc, alors, c'est pro. Non, c'est la même chose. Je ne peux pas dire pron, on sait. Je peux pas, d'accord. Alors, vous voyez, pro, non, c'est ça la bonne syllabation. Les schémas de base des syllabes, d'accord, sont les suivants. Donc, tout d'abord, une syllabe est composée obligatoirement d'une voyelle tonique et d'une seule voyelle tonique. Une voyelle tonique, c'est une voyelle qu'on prononce. Donc, par exemple, le E muet, on ne le prononce pas. Généralement, on va voir la règle du E muet tout à l'heure, et du E en général, d'accord? Mais parfois, le E ne se prononce pas. Par exemple, si je dis voyelle, voyelle, je ne dis pas voyelle. Je ne dis pas voyelle, je ne prononce pas le E, je dis voyelle, je m'arrête dans la prononciation à L. Donc, c'est comme si ce E n'existe pas. Donc, ce E n'est pas tonique. Alors, une voyelle se compose obligatoirement d'une voyelle tonique. S'il y a deux voyelles toniques, deux voyelles qui se prononcent, donc, en général, deux voyelles séparées, c'est deux syllabes. Mais deux voyelles regroupées, on a certaines choses à voir, d'accord? Alors, maintenant, il est composé d'une voyelle qui peut être toute seule ou bien qui peut être accompagnée d'une ou de plusieurs consonnes. Alors, si je prends ici A, l'or. A, c'est une syllabe et l'or, c'est une syllabe. Tout à l'heure, pro, c'est une syllabe. Et vous voyez, une voyelle. Non, syllabe, une voyelle. Ici, elle est accompagnée de deux consonnes. Ici, elle est accompagnée d'une seule consonne parce que on, c'est ce qu'on appelle une semi-voyelle et elle est considérée dans la syllabation comme une voyelle. C'est, d'accord, donc vous voyez, ici, ça peut être une voyelle toute seule, ça peut être une voyelle accompagnée d'une ou de plusieurs syllabes. En général, on trouve trois syllabes, d'accord, trois consonnes en général, d'accord, pour un nombre maximal. Alors, le A ici est une syllabe. Alors, vous voyez, A, l'or. Je peux m'arrêter à A. Je ne peux pas dire al-or. Je ne peux pas dire allo-r. D'accord? Donc, A, l'or. L'or, c'est une syllabe et A, c'est une syllabe. Donc, deuxième structure. Vous trouvez une consonne suivie d'une voyelle, suivie d'une seule consonne. D'accord? Alors, on va voir le cas ici de deux consonnes et le cas ici de trois consonnes. Donc, alors la voyelle, lorsqu'elle est suivie d'une seule consonne, bien sûr, si je dis une seule consonne, suivie d'une autre voyelle. D'accord? Alors, ce schéma-là, comme ici, lavé, ou bien si je conjugue au passé composé, lava. D'accord?
D'accord? Alors, si on a ce schéma-là, consonne voyelle, la subdivision est simple. Consonne voyelle, une syllabe, consonne voyelle, une syllabe. La veille, ou bien la va. Bien. Alors, si on a une voyelle suivie de deux consonnes, suivie d'une voyelle. D'accord. Alors, la première consonne va avec la première voyelle. Et la deuxième consonne avec la deuxième voyelle. Donc, on va subdiviser ici. C'est généralement pour les doubles consonnes. Les deux N, les deux L, les deux R, les deux T. D'accord? Donc, alors, la première consonne avec la première voyelle et la deuxième consonne avec la deuxième voyelle. S'il vous plaît, le jour de l'examen, si on vous demande la syllabation, ne coupez pas au A ici. C'est une erreur. Vous devez couper au milieu des deux consonnes. Et trois consonnes entre deux voyelles. Voyelle, consonne, 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 voyelle. Alors, la première consonne avec la première voyelle et les deux consonnes, les deux deuxièmes consonnes avec. Donc là, s'il vous plaît, vous m'excuserez un petit instant, d'accord? Donc, je vais vous faire ça, comme ça. Ou bien, je vais faire comme ça. Et comme ça. Oui, de cette façon, nous sommes bien situés. Alors, bien, alors, voilà. Donc, ici, le premier P va avec le A. Hop. Alors, si on coupe, on va couper entre les deux P. D'accord? Donc, les deux deuxièmes consonnes avec la voyelle suivante, avec le O. Et le P avec la première voyelle, avec le A. D'accord? Ce sont les schémas les plus courants. Maintenant, on va voir le E. Alors, en gros, vous prononcez le E seulement lorsqu'il est suivi d'une voyelle. Alors, on parle du E final. D'accord? J'aurais pu ajouter ici final, donc je ne vais pas commencer à écrire de nouveau, mais vous pouvez ajouter, si vous voulez, le E final, c'est-à-dire le E en fin de mot. Le E au milieu du mot, d'accord? Donc, comme ce E-là, il compte toujours, d'accord? Au milieu du mot, on n'en parle pas. On parle du E à la fin du mot. Alors, le E à la fin du mot, il compte seulement lorsqu'il est suivi d'une consonne. S'il est suivi d'une voyelle, ou bien d'une pause, c'est-à-dire une virgule, un point virgule, un point d'exclamation, bien le reste. S'il est suivi d'une voyelle, d'une pause, ou bien s'il est à la fin du vers, même si le vers n'est pas fini par une ponctuation. Quand il y a des vers qui ne finissent ni par une virgule, ni par un point, ni avec aucune marque de ponctuation. Alors, même si le vers ne finit pas avec une marque de ponctuation, le E à la fin du vers ne compte pas. D'accord? Bien. Alors, si vous voulez, ce E-là, il est en fin de mot suivi d'un C, d'une consonne. Alors, il est prononcé. D'accord? Ce E-là, suivi d'un V, une consonne, il est prononcé. D'accord? Bon, le mieux, c'est de passer à l'exemple directement. Donc, c'est le premier vers du poème « Demain dès l'aube » tiré du recueil « Les contemplations » de Victor Hugo. Alors, remarquez, s'il vous plaît. L'aube, le E est suivi d'une virgule. Ici, le E est suivi d'une voyelle. Ici, le E est en fin de vers. Bon, supposons que cette virgule n'existe pas. D'accord? Le E, il est en fin de vers. Ici, il est suivi d'une voyelle. Ici, il est suivi d'une pause, d'un point ou bien d'une virgule. Ici, bien sûr, c'est une virgule. Alors, ces trois E-là ne comptent pas. Alors, si on veut faire les syllabes de ces mots-là, je ne fais pas les syllabes des autres, bien sûr. D'accord? Si je veux faire les syllabes de ces mots-là, donc, l'aube, on ne va pas dire l'aube. Non, on va dire l'aube. C'est une seule consonne. Regardez, on ne va pas dire le, re, ou. Le, re, ou. Vous voyez, c'est vraiment très lourd. On dit le, roux. Le, roux. Vous voyez, dans la prononciation, le E est élidé. Le E est effacé. On ne le prononce pas. Donc, le roux. Bien sûr, en fin
de vers, même si la virgule n'existe pas, on ne va pas dire compagne, on va dire compagne. Compagne. On s'arrête au nœud. Le GN s'appelle un nœud. Se prononce un nœud. Donc, maintenant, s'il vous plaît, ça, vous ne le faites pas le jour de l'examen. C'est juste pour expliquer. J'ai fait ici un égal. Donc, vous voyez, dans votre tête, vous faites comme si le E n'existe pas. D'accord ? L'aube, effacez le E. L'heure, effacez le E. D'accord ? Compagne, effacez-le. Donc vous voyez, l'aube, bien sûr, il y a une seule voyelle entre deux consonnes. D'accord. À le, roux. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le H ne se prononce pas, donc on a L, E, R, OU. Donc on a une voyelle, une consonne, une voyelle, une consonne. Donc ce R là, il va aller avec la voyelle suivante. Donc ce sera le roux. Le roux. D'accord? Parce que ça devient une syllabe. D'accord? Même si ce sont deux mots différents, ça devient une syllabe. D'accord? Donc le roux. Bien. Compagne, bien sûr. Pagne. Pagne. C'est une seule. On a une seule voyelle ici. D'accord? Bien sûr. Le E ne se prononce pas. Alors, mais je rappelle, s'il vous plaît, le jour de l'examen, vous n'effacez pas les E. Vous les effacez seulement dans votre tête. Sur la feuille, sur la copie, vous gardez les E en syllabe. Faisons la syllabation. Bien. Alors, on va passer directement au E qui est prononcé. Donc, c'est toujours le même poème et c'est le deuxième vers. Je partirai, je suivi d'un P. Je sais, je suivi d'un S. Que tu, E, suivi d'un T. Donc, vous voyez, le E ici, dans les trois cas, est suivi d'une consonne. Donc, dans les trois cas, il va compter. Je vais dire, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Donc, je vais faire avec vous l'étude de ce poème et on va faire la syllabation de tout le poème, d'accord? Juste pour s'entraîner. Bon. Diérèse et synérèse. Bien. Lorsque le I, le U ou le O sont suivis d'une autre voyelle qui se prononce, bien. Alors, dans ce cas, on a un phénomène qui s'appelle la diérèse et la synérèse. Je vais donner ici l'exemple de voix. Voix. Alors, voix, on peut la syllabe comme ça. Le OI, il peut être considéré comme une seule syllabe. C'est ce qu'on appelle la synérèse. Il peut être considéré comme deux syllabes, c'est-à-dire la diérèse. Je vous explique pourquoi une syllabe vient de syllabes. Donc, on peut prononcer voix. Voix. Donc, si vous prononcez voix, d'accord, il y a le V et le W qui sont des consonnes suivies d'une voyelle, donc on a une seule syllabe. Mais regardez, on peut prononcer avec un E. Et le E, bien sûr, ici, il est placé au milieu du mot, donc il compte. Même s'il est légèrement prononcé, on dit voix, voix, d'accord, voix. Mais on ne prononce pas le voix, on dit voix, voix. Donc, il y a on touche juste le E. D'accord? Ici, si je dis voix, ça va être deux syllabes. Ve, c'est une syllabe. Pourquoi? Consonne voyelle. Vous vous rappelez le schéma. Consonne voyelle. La première voyelle avec la première consonne. La deuxième voyelle avec la deuxième consonne. Donc, ce sera ve. Ouais. Bon, je viens d'expliquer comme ça. Par exemple, le ien, comme bien. Bien, ça se prononce bien ou bien bien. Bien. D'accord? J'essaie de bien marquer la prononciation. D'accord? Mais dans la réalité, on ne prononce pas bien. D'accord? On dit bien. Bien. Alors, il y a une personne qui va toucher le i, qui va dire bien. Et il y a une personne qui va dire bien. Bien. Vous voyez? Bien. Bien, 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 une seule syllabe, bien, 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 deux syllabes. Alors, je vais commencer à faire de la musique maintenant, et c'est normal parce que nous sommes en train d'expliquer la poésie. La poésie, c'est la musique, par excellence.
Bien, alors, dans un poème, s'il vous plaît, ou bien on adopte la synérèse ou bien on adopte la diérèse. Supposons dans un poème, par exemple, un sonnet de 14 vers, vous avez 6 phénomènes diérèse-synérèse. Alors, si vous avez 6 phénomènes, je m'excuse, 6 phénomènes diérèse-synérèse, alors, ou bien vous comptez les 6 en synérèse ou bien en diérèse. Mais généralement, vous n'êtes pas libre. C'est un choix du poète. Pourquoi? Parce que si vous comptez une synérèse et que vous trouvez, par exemple, ce sont des alexandrins, des vers de 12 syllabes. Si vous comptez la synérèse et que vous trouvez tous les vers en maintenant 12 syllabes, ou bien tous les vers sauf un vers qui a 11 syllabes. Donc, c'est acceptable dans la poésie. Un vers ou bien deux vers qui ne respectent pas strictement la syllabation, mais qui ont une syllabe en plus ou bien en moins. C'est acceptable. Mais vous ne pouvez pas ici compter la diérèse. Pourquoi? Parce que vous aurez 5 vers avec 11 syllabes, avec 13 syllabes et un vers avec 12 syllabes. Par contre, si vous comptez la diérèse et que vous trouvez 5 vers avec 12 syllabes et un vers avec 13 syllabes, ce n'est pas un problème. Donc, généralement, comme je viens de le dire, c'est le poète qui détermine le choix, la diérèse ou bien la synérèse. On passe maintenant aux rimes. Oui, les rimes, ça ne demande pas beaucoup de... D'accord. Bien. Alors, on a des rimes suivies ou bien plates, des rimes croisées, des rimes embrassées. Oui, le mot embrasser signifie, normalement, il signifie tenir entre ses deux mains. D'accord. Enserrer quelqu'un avec ses deux mains ou bien quelque chose avec ses deux mains. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans l'embarras. D'accord? Je m'excuse, l'embarras, c'est embarrassé. Alors, je m'excuse. Bon, les rimes plates ou suivies. Bien. Alors, tout d'abord, lorsqu'on parle de rimes, on ne fait pas attention aux lettres. On fait attention au son. Donc, ici, son J, J, et ici, son rang, rang. Vous voyez, ce rang et ce rang sont écrits différemment, mais se prononcent de la même chose. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'homophonie. En français, le mot homophone signifie qu'il se prononce de la même façon. D'accord? Et l'homographie, ils s'écrivent de la même façon. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'homographie, ce n'est pas qu'ils s'écrivent de la même façon. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils se prononcent de la même façon. D'accord? Et on ne compte pas dans la syllabe, on ne compte pas les lettres. On ne dit pas, il y a une rime de 3 lettres. Non, on dit, il y a une rime de 2 sons. Ici, il y a J, J. C'est une rime de 2 sons. On a le son G et le son I. La même chose ici, on a 5 lettres, mais on a 2 sons. Donc ici, la syllabe, elle comporte simplement 2 sons. C'est rond, c'est R et en. C'est R et en. Rond, rond. J, J. D'accord? Donc 2 sons, 2 sons. On aura besoin de ça tout à l'heure. Bien, les rimes croisées. Bon, je vous donne toujours le poème ici. Donc, les rimes croisées, c'est lorsqu'on a le schéma A, B, A, B. C'est-à-dire ces deux vers, le premier et le troisième, se croisent avec le deuxième et le quatrième. Bien, alors, comme on a dit, N, N, vous voyez, ils ne s'écrivent pas de la même façon. Et rond, rond. D'accord? Bon, ici... Rond et rond, c'est en même temps des homophones et des homographes. Ils s'écrivent de la même façon et se prononcent de la même façon. Mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Pour la syllabe, elle doit être homophone.
pas obligatoirement homographe. Elle ne doit pas s'écrire de la même façon, mais doit se prononcer de la même façon. Bien, alors, les rimes embrassées, c'est lorsqu'on a la première avec la quatrième et la deuxième avec la troisième. Et remarquez, ce sont les trois cas possibles. La première, elle peut être comme la deuxième. Ça va nous donner des rimes suivies. Ou bien, la première rime avec la troisième, ça va nous donner une rime croisée. Ou bien, des rimes croisées. La première avec la quatrième, ça va nous donner des rimes embrassées. Donc, puisqu'on se sert simplement de quatre vers pour déterminer les vers, donc on a trois rimes possibles. D'accord ? Ce sont les trois rimes qui existent en français. Donc, ça, c'était les types des rimes. Les types des rimes, ce sont les rimes croisées, embrassées, suivies. Maintenant, les qualités des rimes. On a des rimes riches. C'est trois sons et plus. Donc, il y a des personnes qui donnent un nom à plus de trois rimes. Et je m'excuse, ce nom m'échappe maintenant, d'accord ? Mais, en gros, on considère qu'une rime est riche si elle a trois sons, pas trois lettres s'il vous plaît, trois sons. Trois sons et plus. Donc, tombe, tombe, et fleur. Ce sont des rimes riches. Fleur, fleur, prenons fleur, fleur, pourquoi ? Parce que c'est plus clair. Tombe, il y a le problème du M qui est prononcé. Donc, alors, fleur et fleur, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le son F, le son L, le son E et le son R. Donc, quatre sons. Cinq lettres, mais quatre sons. Puisqu'on a plus de trois sons qui riment, ce sont des rimes riches. Bien, alors, c'est juste l'explication. Bien. Alors, maintenant, les rimes suffisantes, ce sont deux sons. Alors, si on prend N, rond, les quatre rimes sont suffisantes. Pourquoi N? N, c'est E plus N. Et rond, c'est R plus on. Donc, on a deux sons. Alors, on a des rimes suffisantes. Alors, je rappelle, s'il vous plaît, on ne compte pas les lettres. On compte les sons prononcés. D'accord ? Normalement, on fait ce qu'on appelle la transcription phonétique du mot pour voir les sons qui riment. Je vais essayer de faire une petite formation sur la phonétique, mais après avoir fini les commentaires composés, les dissertations, d'accord, et les courants, les mouvements littéraires. Alors, c'est juste l'explication, il y a deux sons, donc on a rime suffisante. Pauvre, une seule rime. Alors ici, dépourvu est venu. Alors, j'ai pas trouvé... Après une petite recherche d'une dizaine de minutes, je n'ai pas trouvé de rime pauvre. Alors, j'ai téléchargé ces deux vers d'Internet. Je ne sais pas l'origine parce que dans la leçon où j'ai pris ça, il n'y avait pas la référence. Alors, je ne sais pas de quel poème c'est pris. Donc, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. D'accord ? Si je fais une recherche dans les fables de La Fontaine, il est sûr que ça a l'air d'une fable, ce qu'il me paraît. Bien, alors, ici c'est U, donc vu, nu, le V et le N ne riment pas. Donc ce qui rime, c'est le son U et le son U. Généralement, quelquefois, pour montrer la pauvreté, et la misère... La désolation, d'accord ? Bon, pour montrer ces choses, le poète peut recourir intentionnellement aux rimes pauvres. Mais généralement, c'est lorsqu'il est contraint d'adopter une rime pauvre. Pourquoi ? Parce qu'il trouve que ce mot-là est le meilleur qui peut charrier la meilleure signification ici. Et il pense que vaut mieux se contenter d'une rime pauvre
que de remplacer ces deux mots par deux autres, ou bien l'un d'eux par un autre, parce que là, il pense que c'est moins esthétique, c'est moins poétique, c'est moins beau. Bien alors, un seul son, rime pauvre. Les genres des rimes. Les genres, c'est, si vous voulez, le sexe de la rime. Est-ce qu'elle est féminine ou bien masculine? C'est très simple, ça. Vous avez une rime qui se termine par un E. D'accord? C'est une rime féminine. Elle ne se termine pas par un E. C'est une rime masculine. J'ai ajouté muet, mais bien sûr, on sait que le E final, le E de la rime, ne se prononce jamais. Donc, il est toujours muet en poésie. Bien, alors, si on prend ici, on va trouver que, d'accord, N et N, ce sont des rimes féminines, et rond, ce sont des rimes masculines. Bien, alors, s'il vous plaît, avant de passer à la présentation de certains axes qu'on va voir dans la leçon prochaine, donc, je fais une petite remarque. Donc, j'ai ici dans ce vers, j'ai le son D, une consonne, qui est répétée plusieurs fois. D, D, D et D. Donc, cette répétition d'une consonne est appelée une allitération. D'accord? C'est une allitération. Et on a le son on qui est proche du an. Alors, lorsqu'il y a deux sons qui sont très proches, par exemple le D avec le T, d'accord, on considère que c'est une allitération. Pourquoi? Parce qu'ils sont très proches. D'accord? Et le on avec le an, ils sont très proches, donc on considère aussi que c'est une allitération. Alors, on, bien, vous voyez, on, donc, ce qui fait que c'est une répétition de voyelle, une répétition vocalique. Alors, la répétition de voyelle est appelée une assonance. D'accord? Et dans la leçon prochaine, en étudiant l'assonance et l'allitération, je vais essayer de faire un peu de ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire on va essayer de voir comment la répétition de ces sons peut apporter du sens, ou bien comment interpréter cette répétition pour avoir du sens. Bon, il ne me reste plus qu'à vous présenter ces axes, mais qui ne sont pas les seuls que je vais vous présenter dans la deuxième partie, mais ce sont les axes qui me viennent maintenant à la tête. Alors, l'assonance et l'allitération, bien sûr, comme j'ai dit, tout en essayant de faire un petit peu de prosodie pour expliquer l'essence des assonances et des allitérations. Donc, on va étudier le rythme interne d'un vers, d'accord? Alors, la césure, oui, une césure, un hémistiche, une coupe, d'accord? Alors, j'ai fait exprès de dire une et un, parce que moi-même, un certain temps, je prononçais une hémistiche à la place d'un hémistiche. Bien, alors, les rimes internes, et les rimes internes aussi, on va les voir avec plus d'approfondissement, plus de détails, parce que généralement, on parle juste d'un type de rime interne, c'est lorsque la rime se répète au milieu du vers et à la fin du vers, mais normalement, il y a plusieurs types de rimes internes, et puisque le niveau avancé est supposé être suivi aussi par des gens qui font de la littérature, d'accord, à qui je n'apprends rien, d'accord, mais je considère qu'avec les gens qui font de la littérature, on se fait juste un partage d'idées, d'accord, je ne suis pas un enseignant pour eux. D'accord, je suis quelqu'un qui partage avec eux mes idées et que la plupart d'entre eux, ils connaissent ces choses et on a qui les connaissent mieux que moi. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine et merci bien pour votre attention.